La gouverneure de New York, Kathy Hochul, a annoncé que Plug Power avait commencé la construction d'une usine d'hydrogène vert et d'une sous-station électrique de 290 millions de dollars. L'installation sera construite dans le Western New York Science, Technology and Advanced Manufacturing Park. L'emplacement est dans la ville d'Alabama, comté de Genesee. Plug Power est le premier locataire du nouveau parc de fabrication. Au-delà de l'usine d'hydrogène vert, il finance également la construction d'une sous-station électrique de 450 MW, qui soutiendra l'installation de production d'H2, ainsi que les futures opportunités de croissance de STAMP. Ce sera la plus grande installation de production de H2 propre en Amérique du Nord, selon le communiqué de presse officiel. L'installation produira 45 tonnes métriques de H2 liquide propre par jour, pour desservir la région du nord-est de l'État de New York. Une fois la construction terminée, l'usine fournira aux clients le carburant de transport de Plug Power, à un prix comparable au diesel. L'objectif est d'ouvrir la voie à la décarbonisation du transport de marchandises et de la logistique. Cela contribuera à jouer un rôle significatif dans l'approche de l'objectif de neutralité carbone 2050. De plus, Plug Power s'est engagé à créer jusqu'à 68 nouveaux emplois. Le gouverneur a applaudi Plug Power et sa construction d'une usine d'hydrogène vert dans l'État. Cette innovation est incroyablement importante pour les économies des Finger Lakes et de l'ouest de l'État de New York, en créant de nouveaux emplois, et en faisant de la région une destination de choix pour les grands fabricants à l'avenir, a déclaré le gouverneur Hochul. La nouvelle installation de Plug Power sera la plus grande usine d'Amérique du Nord produisant de l'hydrogène vert, faisant ainsi progresser nos objectifs ambitieux en matière d'énergie verte alors que nous travaillons vers un avenir plus propre. Plug Power a choisi le parc de fabrication pour l'emplacement de l'usine d'hydrogène vert, pour un certain nombre de raisons. Parmi eux figurait l'accès à une énergie hydroélectrique abordable, grâce au projet Niagara de la New York Power Authority, situé à moins de 30 milles du site. La Power Authority a également fourni au projet de Plug Power une longue liste d'incitations supplémentaires. Merci d'avoir choisi hydrogenefuelnews.com. Ne manquez pas votre accès gratuit à notre e-book exclusif, inscrivez-vous dès aujourd'hui. Suivez cette histoire et plus sur HFN.